Bonjour. Durant cette séance, nous allons traiter un chapitre introductif sur les suites numériques, dans lequel je ne vais vous donner que ce dont on aura besoin tout au long de ce cours des mathématiques financières, notamment les suites arithmétiques et les suites géométriques. À savoir leur définition ainsi que les principales propriétés des suites arithmétiques et suites géométriques que nous allons utiliser durant ce cours. Une suite arithmétique est une suite telle que un plus 1 est égal à un plus r. Et R est la raison de la suite, c'est une constante donnée. Je pense que vous avez déjà fait ça et vu ça au terminal. Propriété des suites arithmétiques. On va utiliser quatre propriétés. UN, le énième terme, est égal, en fonction du premier terme, est égal U1. Plus n moins 1 fois la raison r. On va faire par la suite des exercices sous forme d'exemple pour que vous puissiez bien assimiler et utiliser chaque formule. Deuxième propriété, c'est un en fonction, le énième terme en fonction d'un terme quelconque. On va l'appeler UP. UN est égal à UP plus N moins P fois la raison. Essayez, s'il vous plaît, au fur et à mesure de prendre note des formules. La troisième, quatrième propriété, il concerne les sommes d'une suite arithmétique. La troisième propriété concerne la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Et donc, la somme qu'on peut prendre la valeur de 1 jusqu'à le énième rang. Est égal U1 plus U2 jusqu'à UN, est égal à N fois U1, le premier terme plus le dernier terme UN sur 2. Et de façon générale, la somme de termes, une somme qui est comprise au sens large entre le pième terme et le énième terme. UP, c'est-à-dire UP plus 1 plus jusqu'à plus UN, jusqu'à le énième terme, est égal N, c'est le rang, N, le énième rang, moins P, le rang P, plus 1 fois UP, le pième rang, terme, plus le énième terme sur 2. Et donc, ça, c'est la formule générale d'une somme pour calculer une somme d'une suite arithmétique. Les suites géométriques. Une suite géométrique est une suite telle que un plus 1 est égal k fois un. Avec k, c'est la raison de la suite. C'est une constante donnée, elle est différente de 1. Parce que si elle est égale à 1, donc on se rapporte à une suite qui est constante. Propriété des suites géométriques. De même,
les quatre principales pour nous, pour notre cas, l'utilisation dans la suite de notre cours, on va utiliser quatre propriétés. La première propriété, c'est lorsqu'on veut calculer le énième terme en fonction du premier terme. On a par exemple le premier terme, on cherche le énième terme. Supposons qu'on a U1 et on cherche U5. Donc, on peut trouver U5 en fonction de U1 en utilisant cette formule. C'est la raison K à la puissance N-1 fois U1. Supposons qu'on a U5, qu'on a U1, on va calculer U5. Donc, U5 est égal à K à la puissance 5-1 fois U1. Supposons qu'on a, pour la deuxième propriété, on a le troisième terme, U3, et on veut chercher le septième terme. Donc, U7 est égal K à la puissance 7 moins 3 fois U3. Donc, pour deux rangs n épais quelconques, on a le nème terme UN est égal K à la puissance N moins P fois UP. Pour les formules 18, la somme des n premiers termes en fonction de la raison K et du premier terme U1 est égale U1 plus U2 jusqu'à plus 1 plus n est égale K à la puissance n moins 1 sur K moins 1 fois le premier terme U1. Et la forme générale, c'est-à-dire pour n'importe quel rang n et p, donc la somme, pour calculer la somme entre deux termes quelconques d'une suite géométrique, par exemple ici la somme de p jusqu'à n uk, la somme des termes comprises entre le pm terme et le nème terme est égale UP plus N plus jusqu'à plus UN est égal K à la puissance N moins P plus 1 moins 1 sur K moins 1, le tout fois UP. Voilà des exercices récapitulatifs, des exercices d'application comme sorte d'exemple. Ici, on vous demande quelle est la raison d'une suite arithmétique dont le premier terme est égal à 2 et le cinquième terme est égal à 14. Donc, la raison d'une suite arithmétique dont le premier terme est égal à 2, U1 est égal à 2, et le cinquième terme, U5, est égal à 14. Donc, on va utiliser la formule du cours. On a U1 est égal à 2 premier terme, U5 est égal à 14. D'après la première propriété des suites arithmétiques, qu'est-ce qu'on a? On a U5 est égal à U1 plus 5 moins 1 fois R. Et en remplaçant chaque terme par sa valeur, on obtient alors U5 c'est 14 est égal à U1 c'est 2 plus 5 moins 1 c'est 4 fois R. Donc 12 est égal à 4R. Par conséquent, R est égal à 12 sur 4, c'est-à-dire 3. Deuxième exercice d'application. Quelle est la somme des 10 premiers termes d'une suite géométrique dont le troisième terme est égal à 8 et le huitième terme est égal à 256. La réponse, est-ce que c'est A? Est-ce que c'est B? Est-ce que c'est C? Est-ce que c'est D? Est-ce que c'est égal à 2044? Est égal à 2046? Est égal à 2048? Est égal à 2050? Prenez s'il vous plaît note.
Donc, on a le troisième terme est égal à 8. U3 est égal à 8. Et U8, et le huitième terme, et U8 est égal à 256. C'est ce qu'on a. Donc, d'après la deuxième propriété du cours sur les suites géométriques, on a U8. On peut calculer 8 en fonction de U3. Donc là, on doit trouver la raison d'abord. Avant de calculer, de passer à la somme, on doit d'abord trouver la raison. Parce que la somme, elle est fonction de la raison. Donc, U8 est égal qu'à la puissance 8 moins 3 fois U3. Donc, 256, on remplace chaque terme par sa valeur. 256 est égal qu'à la puissance 5 fois 8. Ça veut dire que k à la puissance 5 est égal à 256 divisé par 8, c'est 32. K à la puissance 5 est égal à 32. Donc, k est égal à 2. C'est la racine cinquième de 32. Dans ces exemples, on n'a même pas besoin d'utiliser la calculatrice, étant donné que les chiffres sont très simples. Donc, là, une fois qu'on a trouvé la raison de la suite géométrique, on peut calculer la somme de ces 10 premiers termes en appliquant la troisième propriété du cours sur les suites géométriques. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres formules. C'est ce qui est bien dans les mathématiques. Étant donné que vous avez par exemple U3 et U8, vous pouvez calculer la somme compris de la quatrième propriété entre U3 et U8, puis vous ajoutez U1 et U2 et U9 et U10. Étant donné que les chiffres sont simples. Donc, revenons. Une fois qu'on a trouvé la raison de la suite géométrique, on peut calculer la somme de ces 10 premiers termes en appliquant la troisième propriété du cours sur les suites géométriques. Ainsi, S10 est égal à U1, le premier terme, fois K à la puissance 10 moins 1, divisé par k moins 1 est égal à U1. On remplace k par sa valeur, c'est 2 à la puissance 10 moins 1 divisé par 2 moins 1, c'est-à-dire on a U3. Mais avant de calculer la somme, on est arrivé. Elle est fonction ici de quoi? Elle est fonction de U1. Donc, on doit calculer U1. Comment calcule-t-on U1? On va utiliser la première propriété. On a U3. Donc, U3 est égal à k à la puissance 3 moins 1 fois U1. On remplace U3 par sa valeur, c'est 8. On a déjà calculé la raison, c'est 2. 2 à la puissance 2 fois U1. Donc, U1 est égal à 2. 8 sur 4, ça vous donne 2. Et puis, on remplace U1 par sa valeur dans la somme. On obtient donc S10 est égal à U1, c'est 2, fois 2 à la puissance 10 moins 1, divisé par 2 moins 1. Et je vous laisse le soin de faire les calculs pour trouver est-ce que c'est la réponse c'est A, ou bien B, ou bien C, ou bien D. Un petit problème au niveau du partage du fichier. Voilà.
Voilà. C'est bon. Je vous donne un travail à faire. Exercice 1, une suite. Prenez note, s'il vous plaît. Très bien, Sana. Vous avez fait l'exercice. Donc, je vais vous donner un travail à faire. Une suite géométrique est telle que son quatrième terme est égal à 16 et son septième terme est égal à 128. Calculez la somme des termes compris au sens large entre son neuvième terme et son dix-neuvième terme. Lorsque, dans la question posée au sens large, ça veut dire que les bornes sont incluses dans la somme, c'est-à-dire il faut prendre en considération le neuvième et le dix-neuvième terme. Vous pouvez reposer la question, monsieur Omar? Répétez la question. C'est bien si vous avez pu trouver la somme, c'est très bien. Donc, soit UN, une suite géométrique de raison Q, de premier terme, U0, est égal à 1 sur 2. Déterminer, ce sont des notations. U0 ici, dans le cours, j'ai utilisé U1 comme premier terme. Ce sont juste des notations. Déterminer Q tel que 2 fois U2 est égal à 3 U1 moins U0. Question 2, calculer U0 plus U1 jusqu'à U10. La somme. Donc ici, combien on a de termes? On a 11 termes. On a 11 termes. De U1 jusqu'à U10, 10 termes, plus U0, qui est le premier terme ici, donc c'est 11 termes. UN ici, c'est le deuxième terme. Troisième question, soit UN, une suite géométrique de premier terme U0 est égal à 1. Montrez que la suite VN, définie par VN est égal LN, LN de UN, est une suite arithmétique dont on déterminera le premier terme et la raison. Donc, ce sont deux exercices que je vous donne à faire pour la séance prochaine. Inch'Allah. Et puis, on entame le premier chapitre sur les intérêts simples et composés. Précisons que le concept d'intérêt occupe une place centrale dans les mathématiques financières. On l'assimile parfois au prix du temps ou encore loyer de l'argent. Et tout ce qui suit dans ce cours s'appuie sur cette notion. L'objectif ultime de ce chapitre est de présenter les bases de calcul de l'intérêt sur un placement ou un emprunt en distinguant les deux modes usuels de détermination de l'intérêt simple et de l'intérêt composé. Notion d'intérêt. On appelle intérêt le loyer que rapporte une certaine somme d'argent, le capital prêté pour une certaine durée de temps. L'intérêt se calcule selon un certain taux indiqué en pourcentage, précisant l'intérêt à verser par unité de 100 dirhams de capital pendant un an. L'intérêt ou loyer de l'argent désigne la rémunération du placement d'une somme d'argent par un prêteur
auprès d'un emprunteur. Lorsqu'un prêteur prête une certaine somme à un emprunteur pendant un laps de temps donné, il rend un service à l'emprunteur tout en assumant lui-même plusieurs risques. Le risque de non-remboursement de son capital dû à la défaillance du débiteur, la dépréciation du pouvoir d'achat de la monnaie, l'impossibilité de profiter des opportunités d'utilisation productive de son argent pendant toute la durée du prêt. Il est donc logique, compte tenu des risques courus, que le prêteur, c'est-à-dire le créancier, reçoive en contrepartie une rémunération appelée intérêt, qui n'est autre que le loyer de l'argent prêté. Et cet intérêt, il sera fonction, donc il sera proportionnel au montant du capital placé ou emprunté, à la durée du placement ou bien du prêt, au taux de placement d'intérêt qui est fonction des taux pratiqués sur le marché des capitaux et des risques que représente l'emprunteur. Vous aurez l'occasion de voir les différents taux, la conception des taux ainsi que les différents taux lors du module de S3, S4, notamment l'économie monétaire et financière. On note C0. Capital initial autant que T0, I, taux d'intérêt par période ou unité de temps, exprimé en pourcentage, N, nombre de périodes pendant lesquelles est placé le capital initial C0, CN, valeur acquise en temps TN. Remarque, il faut toujours exprimer I et N en unités de temps comparables. Si on suit I annuel, N en année. I mensuel, donc automatiquement N en mois. L'intérêt I produit par un capital C0 placé pendant une période au taux d'intérêt I est égal à C0 fois I. Après oui, la réponse est oui. La séance est enregistrée. Après une période, le prêteur obtiendra C1. C1 est égal au capital initial. Je vous en prie. Après une période, le prêteur obtiendra C1. C1 n'est rien d'autre que C0, c'est-à-dire le capital initial, plus l'intérêt. Et on remplace l'intérêt par sa valeur C0 fois le taux d'intérêt C0 plus C0 fois I. Puis on factorise par C0, C0 fois 1 plus I. Et pour l'emprunteur, C1 constitue la somme à rembourser au prêteur et I n'est rien d'autre que l'intérêt dû. Donc pour l'emprunteur, c'est un coût. Donc l'emprunt, ça lui coûte. Par contre, pour le prêteur, le prêt, ça lui rapporte de l'argent. Et le montant des intérêts liés à un financement, il représente pour l'emprunteur le coût principal de l'opération et pour le prêteur la base du revenu du placement. Et bien sûr, la méthode de calcul de ces intérêts
n'est pas neutre et peut avoir une incidence non négligeable sur leur montant en distinguant traditionnellement deux catégories principales d'intérêts, à savoir les intérêts simples et les intérêts composés. Et l'objectif de ce chapitre est de maîtriser le coût de l'argent, maîtriser la valeur du temps, estimer la valeur d'un capital, quelle que soit la date à laquelle il est disponible, savoir quand et comment utiliser les formules d'intérêt simple et d'intérêt composé, et en comprendre les mécanismes de calcul. Connaître aussi les particularités des taux proportionnels et des taux équivalents qu'on aura l'occasion de voir la séance d'après, ainsi que leurs conditions d'utilisation afin de pouvoir discuter avec son banquier, négocier un plan de règlement, se procurer des capitaux pour une période relativement courte, moins d'un an ou plus longue, choisir les conditions de placement ou de prêt les plus avantageuses, évaluer une créance ou une dette à une date déterminée, comparer les modalités de financement. Donc, c'est un cours qui est très utile. Donc, pour les intérêts simples, seul le capital initial procure des revenus. Avec les intérêts composés, les intérêts dus en fin de période sur le capital initial génèrent d'autres intérêts au cours des périodes suivantes. Pour cette séance, dans le cours, le cas, pardon, dans le cas de l'intérêt simple, le capital, il reste invariable pendant toute la durée du prêt. Et l'emprunteur doit verser à la fin de chaque période l'intérêt dû. Donc, après chaque période, l'intérêt à payer est égal à C0 fois I. On le calcule toujours sur la base du capital initial. Supposons qu'on a N périodes. Alors, l'intérêt global ou total, on le note IG, appelé également coût de l'emprunt à verser, est égal à C0 fois I plus C0 fois I plus N fois C0 fois I. Donc, ainsi, l'intérêt global n'est rien d'autre que C0 fois I fois N. La somme totale à rembourser par l'emprunteur est égale à Cn est égal C0, le capital initial, plus le coût de l'emprunt, l'intérêt global, donc est égal à C0, et on remplace l'intérêt global par sa valeur, plus C0 fois I fois N, et on factorise par C0, on obtient alors C0 fois 1 plus NI. Ou bien 1 plus IN, quand vous voulez. Pour le prêteur, CN est la valeur acquise par le capital C0 au bout de N périodes. Prenez note de la formule, s'il vous plaît, pour qu'on puisse passer à quelques exercices d'application. Exercice 1. 100 000 dirhams placés 2 ans à un taux annuel de 20% donnent quel montant d'intérêt? 100 000 dirhams placés 2 ans à un taux annuel de 20% donnent quel montant d'intérêt?
Deuxième question, de combien disposera-t-on au bout de 2 ans? De combien disposera-t-on au bout de 2 ans? C'est un simple exercice d'application. Le montant des intérêts produit pendant la durée N, qui est de 2 ans, est donné par l'intérêt global est égal C0 fois I fois N. Application numérique. Donc C0, on la remplace par 100 000, fois I, 20%, fois 2. Ça nous donne 40 000 dirhams. Donc l'intérêt global est égal 40 000. Le montant des intérêts produits pendant la durée N est de 40 000 dirhams. De combien disposera-t-on au bout de 2 ans? C'est N, donc on doit chercher la valeur acquise. C'est N, d'après la formule du cours, est égal à C0 plus l'intérêt global. Est égal à 100 000 plus 40 000, ça vous donne 140 000. Exercice 2. Un capital de 2 000 est placé à intérêt simple au taux annuel de 6% pendant 10 ans. Calculez la valeur définitive et l'intérêt global de ce placement. Un capital de 2 000 placé à intérêt simple au taux annuel de 6% pendant 10 ans. Calculer la valeur définitive et l'intérêt global de ce placement. Donc, il suffit de faire quoi? Il suffit d'appliquer les formules du cours. Et dans ce cas, est-ce que l'intérêt global sera égal à 1200? À 1400? À 1600 ou bien à 1900? Très bien. Très bien, la réponse est juste. Question 4. La valeur définitive d'un placement à intérêt simple d'un capital de 1 000 au taux annuel de 8% pendant 10 ans est égale à 1880, 18 000, 1800 ou bien 2800. Alors, je vous laisse le soin de le faire. On passe à l'exercice 3. Un capital placé à 9% pendant une certaine durée, un capital placé à 9% pendant une certaine durée, on ne sait pas la durée, a acquis une valeur de 435 000 dirhams. Placé à 10% pendant un an de moins, ce même capital aurait produit des intérêts à hauteur de 120 000 dirhams. Déterminez ce capital et calculez la première durée du placement. Je vous donne 2 minutes pour réfléchir avant de vous donner la réponse.
Donc ici, on a deux inconnus. Faites attention. On ne sait pas le capital initial, à quoi il est égal. On ne connaît pas sa valeur. Et on ne connaît pas la durée du placement. Mais en même temps, on peut constituer deux équations. Deux équations à deux inconnues. Voilà, on commence. Soit c'est le montant du capital placé. Et N, sa durée exprimée en années. Qu'est-ce qu'on a d'après la formule du groupe? 435 000, la valeur acquise, est égale à C fois 1 plus IN. I, c'est 9% fois N. Donc, c'est C fois 9%, c'est 9 sur 100. Donc, c'est 100 plus 9N, le tout divisé par 100. On va l'appeler équation 1. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on a? On a C fois 10% fois N moins 1 est égal à 120 000 dirhams. 120 000 dirhams. C'était quoi 120 000 dirhams? Qu'est-ce que vous avez dans l'énoncé? Placé à 10% pendant un an de moins. Placé à 10% pendant un an de moins. C'est-à-dire un an de moins. Pendant un an, c'est-à-dire n moins 1. Ce même capital aurait produit des intérêts à hauteur de 120 000 dirhams. L'intérêt global pendant N moins 1 est égal à 120 000 dirhams avec un taux de 10%. Donc 120 000 est égal, c'est le même capital, fois 10, c'est 10%, fois N moins 1. C fois 10% fois N moins 1 est égal à 120 000 dirhams. C'est-à-dire que 120 000 est égal à C fois 10 fois N moins 1 sur 100. C'est l'équation 2. Donc, on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient deux équations à deux inconnues, N et C, la durée et le capital. Équation 1, 435 000 est égal à C fois 100 plus 9N sur 100. L'équation 2, 120 000, est égale à C fois 10 fois N moins 1 sur 100. En divisant l'équation 1 par l'équation 2, membre par membre, qu'est-ce qu'on obtient? 100 plus 9N, parce que C sur C, ça s'annule, est égal à 1, pardon. 100 plus 9N sur 10 fois N moins 1 est égal à 435 000 sur 120 000. Ça vous donne 3,625. Il faut faire les calculs si jamais on se trompe. 100 plus 9N, ça vous donne 36,25. N moins 36,25. 136,25, ça vous donne 27,25 fois N. Donc N est égal à 5 ans. Maintenant, on remplace N par sa valeur dans l'une des deux équations. Et on obtient C est égal 120 000 fois 100. Moi, j'ai utilisé la deuxième équation. Fois 100 sur 10 fois 4 est égal à 300 000 dirhams. Exercice 4.
Trois capitaux en progression arithmétique sont placés à intérêt simple. Le premier pendant 12 mois, le second pendant 8 mois et le troisième pendant 6 mois. Dans cet exercice, donc, on combine ce qu'on avait vu dans les suites, le chapitre introductif, et dans la section 1 du chapitre 1 des intérêts simples. Donc, trois capitaux en progression arithmétique, c'est-à-dire il s'agit là d'une suite arithmétique. Trois capitaux en progression arithmétique sont placés à intérêt simple. Le premier pendant 12 mois, le second pendant 8 mois et le troisième pendant 6 mois. Calculez ces trois capitaux, sachant que leur somme est égale à 90 000 dirhams et que les trois placements sont effectués au même taux d'intérêt et ont rapporté le même intérêt global. Donc, je vous laisse le soin de le faire chez vous et puis on va le corriger la semaine prochaine. Donc, merci pour votre attention.